Bonjour, on est toujours en Computex, on va découvrir les nouveautés de chez Ozone. Chez Ozone, on a une nouvelle souris, la Xenon, disponible en rouge, en blanc et en noir. Une souris avec deux boutons, trois boutons, une roulette, un réglage de DPI, un capteur optique en 3500 DPI et un prix de 24€ environ. En dessous, on a le nouveau tapis de souris de la marque, disponible en trois couleurs, blanc, bleu et vert. On sera sur un tarif de 14€ pour ce modèle-là. On continue avec le nouveau casque, le Rage 7HX, un casque 7.1. Un vrai casque 7.1, donc normalement avec plein de petits haut-parleurs à l'intérieur, et le prix devrait être aux alentours des 60€ à tester, puisque si c'est du vrai 7.1 et que ça marche bien à ce prix-là, ça sera très intéressant. On a le même modèle avec uniquement deux haut-parleurs, donc en stéréo, qui s'appelle le Rage WT ou le Rage T, suivant qu'il est blanc ou suivant qu'il est noir. On sera là sur un tarif de 29€. Pour les nouveautés Ozone, il nous reste à vous montrer le Blade. Donc pour le moment, on est sur un prototype. C'est un clavier de type membrane avec des boutons programmables, un réglage du backlighting facile, bleu ou rouge, ça sera. Mais normalement, Ozone nous a dit que le clavier devrait peut-être même changer un petit peu au niveau du style. On était chez Ozone, on est toujours en Computex, on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation.